Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami. Et pourtant, j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. Tout d'abord, on dira que je suis fou. Plus fou que l'homme que j'ai tué dans la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chacune de mes assertions, les rattacheront aux faits connus et se demanderont comment j'aurais pu avoir une opinion différente après m'être trouvé en présence de cette preuve abominable, le monstre sur le seuil de ma porte. Jusqu'à ce moment-là, moi aussi, je n'ai vu que folie dans les récits extravagants qui m'ont poussé à agir. Aujourd'hui encore, je me demande si je ne me suis pas trompé, si vraiment je ne suis pas fou. Mais d'autres que moi ont d'étranges choses à raconter sur Edward et Asnaf Derby. Et les gens de la police eux-mêmes ne parviennent pas à expliquer cette dernière visite que j'ai reçue. Ils ont essayé de bâtir une théorie raisonnable, sinistre plaisanterie ou vengeance d'un domestique congédié, mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que la vérité est infiniment plus terrible. J'affirme donc que je n'ai pas assassiné Edward Derby. Je dirais plutôt que je l'ai vengé, et que, ce faisant, j'ai purgé la terre d'une horreur qui aurait pu déchaîner les pires désastres pour l'humanité. Il existe des zones d'ombre tout près des chemins de notre vie quotidienne, et parfois, une âme maléfique sort des ténèbres. Quand cela se produit, l'homme qui en a connaissance doit frapper, sans se préoccuper des conséquences possibles. J'ai connu Edward Pickman Derby depuis sa plus tendre enfance. Il était si précoce que nous avions beaucoup de choses en commun, alors qu'il avait 8 ans et que j'en avais 16. C'était un élève pourvu de dons prodigieux. À 7 ans, il écrivait des vers d'un genre fantastique, sombre, presque morbide, qui provoquèrent l'étonnement de ses professeurs privés. Fils unique, il souffrait de certaines faiblesses organiques qui poussèrent ses parents à le garder constamment auprès d'eux. Il ne sortait jamais sans sa gouvernante et avait rarement l'occasion de jouer avec d'autres enfants. Tout cela contribua sans aucun doute à développer en lui une étrange vie intérieure, l'imagination étant son seul moyen d'évasion. Quoi qu'il en soit, il possédait des connaissances phénoménales et son œuvre poétique me séduisit. À cette époque, j'avais un penchant marqué pour le bizarre dans le domaine de l'art. C'est pourquoi je découvris entre cet enfant et moi-même des affinités très grandes. À l'arrière-plan de notre amour commun, des ombres et des merveilles, il y avait, sans aucun doute, l'antique et redoutable ville où nous vivions, cette vieille cité d'Arkham, maudite par les sorcières, hantée par les légendes, dont les toits en croupe affaissée bordent les eaux murmurantes de Miss Catonic. Au bout d'un certain temps, je m'adonnai à l'architecture et renonçai à mon projet d'illustrer un recueil de poèmes d'Edward Derby, sans que notre amitié en souffrît le moins du monde. Son étrange génie ne cessa pas de se développer, et dans sa 18e année, il publia sous le titre « Azathoth et autres horreurs » un volume de vers qui fit sensation. Il entretenait une correspondance suivie avec le poète baudelairien Justin Geoffroy, auteur du Peuple du Monolithe, qui est mort dans un asile d'aliénés en 1926, après avoir visité un village hongrois de sinistre renommée. Dans le domaine de la vie pratique, Derby se trouvait très dépaysé en raison de son existence trop choyée. Sa santé était bien meilleure, mais il dépendait toujours autant de ses parents. Il ne voyageait jamais seul et semblait incapable de prendre une décision ou d'assumer une responsabilité. De toute évidence, il ne pourrait jamais exercer un métier. Mais ceci n'avait pas grande importance étant donné la fortune de sa famille. Parvenu à l'âge d'homme, il conservait une apparence enfantine. Il avait des cheveux blonds, des yeux bleus, un teint clair, une voix douce et mélodieuse. Son beau visage lui aurait valu de nombreux succès auprès des femmes, mais sa timidité naturelle le poussait à vivre en reclus dans la compagnie des livres. Ses parents l'emmenaient chaque été à l'étranger et il assimila très rapidement les aspects superficiels de la pensée et de l'expression européenne. De la sorte, une nouvelle sensibilité artistique s'éveilla en lui et vint s'ajouter à son goût pour la littérature décadente. À cette époque, nous avions ensemble de longues conversations.
Après avoir terminé mes études à Harvard, et puis chez un architecte de Boston, je m'étais marié et avais regagné Arkham pour y exercer ma profession. Ma femme et moi habitions dans la maison familiale de Saltonstall Street, mon père étant allé s'installer en Floride pour raison de santé. Edward me rendait visite presque tous les soirs. Sa façon de sonner ou de frapper, trois coups brefs suivis de deux autres après une légère pause, ressemblait à une espèce de code. J'allais chez lui beaucoup plus rarement, et je regardais avec envie les livres toujours plus nombreux de sa bibliothèque. Derby fit ses études à l'université de Miskatonic, à Arkham même, car ses parents ne lui avaient pas permis de quitter la ville. Il y entra à l'âge de 16 ans et en sortit 3 ans plus tard. Il se classa premier en littérature anglaise et française et obtint de très fortes notes dans toutes les matières, à l'exception des mathématiques et des sciences. Il fréquenta fort peu les autres étudiants, tout en considérant avec envie le groupe bohème au langage superficiellement brillant et aux mœurs relâchées. Par contre, il se plongea ardemment dans les ouvrages de sciences occultes qui ont fait la renommée de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Il lut, entre autres, le terrible livre d'Abon, l'Unaussprachlichen Kulten de von Jungs et le Necronomicon de l'arabe Abdul al-Asred. Il avait 20 ans lors de la naissance de mon fils et parut très content lorsque je donnai son prénom à l'enfant. À 25 ans, Edward Derby était un prodigieux érudit et un poète assez connu. J'étais son ami le plus intime, car je trouvais en lui une mine inépuisable de thèmes de conversation palpitants, et de son côté, il se fit à mes conseils sur tous les sujets dont il ne voulait pas parler à ses parents. Quand la guerre éclata, il ne put s'enrôler à cause de son état de santé. Pour moi, j'entrai à l'école d'officier de Plattsburgh, mais je n'eus pas l'occasion de partir pour le front. Ainsi, les années passèrent. Edward perdit sa mère quand il eut atteint sa 34e année et pendant plusieurs mois, il souffrit d'une étrange maladie psychologique. Mais son père l'emmena en Europe, où il réussit à guérir assez facilement. Par la suite, il sembla s'abandonner à une sorte de joie grotesque, comme s'il avait échappé à une tutelle invisible. Malgré son âge, il se mit à fréquenter le groupe avancé de l'université et assista à de véritables scènes d'orgie. Un jour, il dut payer à un maître chanteur une forte somme qu'il m'emprunta pour éviter que son père n'apprît sa participation à une affaire assez louche. Des rumeurs bizarres circulaient au sujet du milieu dont il faisait partie. On allait jusqu'à parler de magie noire et d'incidents absolument incroyables. À 38 ans, Edward fit la connaissance d'Asenath Waite, qui, elle, devait en avoir 23 et suivait un cours de métaphysique médiévale. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à Old School et s'était sentie encline à l'éviter en raison de sa réputation bizarre. Elle était brune, petite et très belle, en dépit de ses gros yeux saillants, mais quelque chose dans son expression lui aliénait la sympathie des personnes particulièrement impressionnables. Néanmoins, c'était surtout ses origines qui poussaient les gens à la fuir. En effet, elle était originaire d'Innsmouth, vieille ville croulante, presque déserte, au sujet de laquelle circulent de sinistres légendes. On parle de marchés abominables conclus en l'an 1850 et de certains membres des anciennes familles qui ne seraient pas tout à fait humains. Le cas d'Asenath se trouvait aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, lequel avait épousé, dans sa vieillesse, une femme inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans une maison délabrée de Washington Street, Innsmouth. Ceux qui avaient vu cette antique demeure déclaraient que les fenêtres de la mansarde étaient toujours recouvertes de planches et que des bruits étranges y résonnaient parfois à la tombée de la nuit. Le vieillard avait beaucoup étudié la magie au cours de son existence. On prétendait qu'il pouvait déchaîner ou apaiser des tempêtes en mer. Je l'avais vu 2 ou 3 fois dans ma jeunesse, alors qu'il était venu à Arkham pour consulter des ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université, et son visage saturnien, à la barbe grise embroussaillée, avait inspiré une grande répulsion. Il était mort fou, dans des circonstances assez bizarres, juste avant que sa fille entrât à Old School,
Mais elle avait eu le temps d'être son élève et elle lui ressemblait parfois d'une façon diabolique. L'ami dont la fille avait été la condisciple d'Asenath Waite commença à raconter d'étranges choses quand il apprit qu'Edward entretenait des relations avec elle. Asenath avait prétendu posséder de grands pouvoirs magiques et être capable de déchaîner des orages. Tous les animaux lui manifestaient une antipathie marquée et elle faisait hurler les chiens en agitant sa main droite d'une certaine façon. Parfois, elle faisait étalage de connaissances très singulières et très choquantes pour une jeune fille. Enfin, elle possédait une indéniable faculté de prédiction. Par-dessus tout, elle avait un pouvoir hypnotique extraordinaire. En regardant fixement une de ses camarades, elle arrivait à lui donner l'impression d'un échange de personnalité. Le sujet croyait se trouver momentanément dans le corps de la magicienne et voyait à l'autre bout de la pièce son propre corps dans les yeux duquel brûlait une flamme étrange. Asenath affirmait que la conscience dépendait de notre enveloppe charnelle. Elle enrageait de ne pas être un homme, car elle estimait qu'un esprit masculin possédait des pouvoirs cosmiques. Si on lui donnait un cerveau d'homme, elle se sentait certaine de surpasser son père dans la maîtrise des forces inconnues de l'univers. Edward fit la connaissance d'Asenath au cours d'une réunion de l'intelligentsia dans la chambre d'un des étudiants. Lorsqu'il vint me voir le lendemain, il fut incapable de me parler d'autre chose. Il avait apprécié en elle le genre de connaissances que lui-même prisait particulièrement et de surcroît, il semblait fasciné par sa beauté physique. Ayant entendu beaucoup parler de la jeune fille sans l'avoir jamais vue, je jugeais plutôt regrettable qu'Edouard en fût épris. Néanmoins, je me gardais bien de le décourager pour ne pas donner plus de force à sa passion naissante. Il m'avoua qu'il n'avait rien dit à son père. Au cours des semaines suivantes, plusieurs personnes remarquèrent les attentions amoureuses d'Edward. Tout le monde convint qu'il semblait n'y avoir aucune différence d'âge entre ces deux êtres bizarrement rapprochés par le destin. Mon ami, malgré son léger embonpoint, avait un visage complètement dépourvu de rides. Asenath, par contre, était marqué de la patte de bois qui provient de l'exercice trop fréquent d'une intense volonté. Bientôt, Edward me présenta sa bien-aimée et je constatai à cette occasion qu'elle le regardait continuellement comme s'il eût été sa proie. Peu après, je reçus la visite de M. Derby qui avait arraché à son fils des aveux complets. Le gamin avait l'intention bien arrêtée d'épouser Asenath et son père se demandait si je pourrais parvenir à lui faire abandonner ce projet. Je lui répondis que cela me paraissait impossible. Edward était complètement subjugué par la formidable personnalité de la jeune fille. Le mariage eut lieu un mois plus tard. Edward et Asenath furent unis par un juge de paix selon le vœu de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby assista à la brève cérémonie en compagnie de moi-même, ma femme et mon fils, les autres invités étant des étudiants du groupe avancé. Asenath avait acheté la vieille maison Crowning Shield en pleine campagne et les deux époux se proposaient de s'y installer après un court voyage à Innsmouth. Lorsqu'Edward vint me voir au retour de sa lune de miel, je remarquai en lui un changement très net. Il paraissait plus grave, plus pensif, et parfois, son visage qui avait perdu toute expression enfantine était empreint d'une véritable tristesse. Asenath ne l'avait pas accompagnée, car elle était fort occupée à mettre en ordre la maison Crown Shield. Elle avait ramené d'Innsmouth une grande quantité de livres et d'appareils divers, ainsi que trois domestiques. Edward me dit que la maison natale de la jeune femme était un lieu morbide, mais qu'il y avait appris des choses surprenantes. Ses connaissances ésotériques se développaient rapidement sous la direction d'Asenath. Celle-ci se proposait de faire certaines expériences très osées, mais il avait toute confiance dans l'étendue de son pouvoir et la pureté de ses intentions. Les trois domestiques étaient très bizarres. Il y avait un couple incroyablement âgé qui parlait parfois à mots couverts d'Ephraim Waite et de sa mystérieuse épouse, et une fille de cuisine au teint basané dont la personne exhalait une perpétuelle odeur de poisson. Au cours des deux années suivantes,
je vis Edward Derby de moins en moins. Je restais souvent 15 jours sans entendre les 5 coups familiers, et lorsque mon ami venait, il semblait fort peu enclin à aborder des sujets de conversation intéressants. Il ne mentionnait plus jamais ses études occultes dont il avait coutume de m'entretenir longuement, et préférait ne pas parler de sa femme. Celle-ci avait beaucoup vieilli depuis son mariage. Chose curieuse, elle paraissait plus âgée que lui. Son visage exprimait une résolution farouche. Son aspect avait quelque chose de répugnant. Ma femme et mon fils s'en étaient aperçus autant que moi, et nous cessâmes peu à peu de lui rendre visite. Parfois, les Derby partaient pour de longs voyages. Officiellement, ils s'en allaient en Europe, mais Edward me laissait entendre qu'ils avaient des destinations plus mystérieuses. Ce fut au cours de la première année que les gens commencèrent à parler du changement subi par mon ami. De temps à autre, il faisait des choses entièrement incompatibles avec sa nature indolente. Ainsi, alors qu'il était autrefois incapable de conduire une voiture, on le voyait souvent passer en trombe au volant de la puissante Packard d'Aznaf, conduisant avec une habileté consommée et un sang-froid sans égal. En ces occasions, il semblait toujours partir en voyage ou en revenir, et il manifestait une prédilection particulière pour la route d'Innsmouth. Cette métamorphose semblait assez déplaisante. Les gens prétendaient que, à ces moments-là, il ressemblait trop à sa femme, ou même à Ephraim Waite. Parfois, plusieurs heures après être parti au volant de la Packard, il revenait, indolemment étendu sur le siège arrière, tandis qu'un chauffeur à gages conduisait. En outre, si le visage d'Aznaf vieillissait, celui d'Edward prenait une expression enfantine encore plus marquée que par le passé. Tout cela était fort déconcertant. Cependant, les Derby se voyaient peu à peu abandonnés, même par le groupe des étudiants avancés, en raison de la nature choquante de leurs études actuelles. Dans la troisième année de son mariage, Edward commença à me faire part de certaines craintes. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin et exprima le besoin de reconquérir son identité. Au début, je ne relevais pas ces mystérieuses allusions. Et puis, me rappelant le pouvoir hypnotique exercé par Aznaf sur ses camarades d'école, je me mis à interroger mon ami avec prudence. Il sembla à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et déclara un jour qu'il se proposait d'avoir un sérieux entretien avec moi. Vers cette époque, M. Derby mourut. Edward fut très affecté, bien qu'il eût très peu vu son père depuis son mariage. Il exprima le désir de s'installer dans la vieille demeure familiale, mais Aznaf insista pour rester dans la maison Crowning Shield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose bizarre de la bouche d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'eût pas rompu avec le Derby. Étant allée leur rendre visite, elle avait vu une voiture franchir le portail à toute allure. Edward se trouvait au volant, le visage empreint d'une résolution farouche. Après avoir sonné, elle s'était entendue dire par la jeune servante, aux traits hideux, qu'Aznaf ne se trouvait pas non plus au logis. Au moment de partir, elle avait jeté par hasard un coup d'œil sur la maison. À l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage presque aussitôt retiré. Un visage exprimant un abattement et un désespoir profond. Chose incroyable, c'était celui d'Aznaf. Et pourtant, la visiteuse aurait juré qu'à cet instant, elle avait vu les yeux tristes du pauvre Edward. Les visites de mon ami commencèrent à devenir plus fréquentes, et il se laissa aller à certaines confidences parfaitement incroyables qui me firent craindre pour sa raison. Il me parla de terribles réunions dans des lieux solitaires, de ruines cyclopéennes au cœur des forêts du Maine sous lesquelles de vastes escaliers descendaient jusque dans des abîmes mystérieux, d'angles compliqués menant à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, de hideux échanges de personnalités permettant d'explorer des lieux interdits dans d'autres sphères. Parfois,
à l'appui de certaines assertions particulièrement extravagantes, il me montrait des objets stupéfiants d'une couleur et d'une matière indéfinissables, dont les lignes et les surfaces démentielles ne correspondaient à rien de connu sur cette terre. Ces objets, disait-il, venaient de l'extérieur et sa femme connaissait le moyen de se les procurer. De temps à autre, il me parlait du vieux Ephraim Waite qu'il avait vu autrefois à la bibliothèque de l'université et me donnait à entendre qu'il se demandait si le vieux sorcier était vraiment mort, à la fois sur le plan corporel et spirituel. Il arrivait à Derby de s'interrompre brusquement au cours de ses révélations. Je songeais alors qu'Aznath avait peut-être deviné à distance ce qu'il disait. Il avait interrompu grâce à un pouvoir hypnotique télépathique. En fait, il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, souvent une force invisible paralysait ses mouvements ou lui faisait oublier le but de sa sortie. Il ne me rendait visite que lorsque Aznath était absente dans son propre corps. Derbé était marié depuis plus de 3 ans cette journée d'août où je reçus un télégramme venant du Maine. Je ne l'avais pas vu depuis 2 mois, mais j'avais entendu dire qu'il était en voyage d'affaires. Aznath était censé l'accompagner. Pourtant, certaines commères prétendaient qu'il y avait quelqu'un dans la maison, derrière les fenêtres au double rideau. Elles avaient surveillé les achats faits par les domestiques. Et voilà maintenant que le shérif de Chazen Crook me télégraphiait au sujet d'un fou qui était sorti de la forêt en proie à un furieux délire. Il s'agissait d'Edward, lequel avait pu finalement se rappeler mon nom et mon adresse. Chazen Crook se trouve à la lisière d'une des forêts les plus vastes et les moins explorées du Maine. Il me fallut, pour y parvenir, 1 jour de trajet en automobile, au milieu d'un paysage fantastique. Je trouvais Derbé enfermé dans une cellule, oscillant entre la frénésie et l'apathie. Il me reconnut aussitôt et se mit à débiter un flot de paroles incohérentes. « Dan, pour l'amour de Dieu, la fosse au Shoggoth, au bas des 6000 marches, l'abomination des abominations. Je ne voulais pas qu'elle m'y emmène, et c'est là que je me suis retrouvé. Là, Shub-Niggurath, la forme s'est dressée au-dessus de l'autel, et ils étaient 500 qui hurlaient. La créature encapuchonnée a bêlé, Kamok, Kamok. C'était le nom du vieil Ephraim. J'étais là, en ce lieu, où elle avait promis de ne pas m'emmener. Une minute auparavant, je me trouvais dans ma bibliothèque, fermée à clé, et puis je me trouvais à cet endroit où elle était partie avec mon corps, dans cette fosse maudite où commence le royaume des ténèbres. J'ai vu un Shoggoth. Je l'ai vu changer de forme. Je ne peux pas supporter cela. Je la tuerai si elle m'y renvoie. Je tuerai cette entité, quelle qu'elle soit. Je la tuerai. Je la tuerai de mes propres mains. Il me fallut 1 heure pour l'apaiser, mais j'y parvins. Le lendemain, je lui achetai des vêtements convenables dans le village, puis je partis avec lui pour Arkham. Il semblait avoir retrouvé son calme et garda le silence pendant un certain laps de temps. Néanmoins, il se mit à marmonner entre ses dents lorsque la voiture traversa Augusta, comme si la vue d'une ville éveillait en lui des souvenirs désagréables. De toute évidence, il ne voulait pas rentrer au logis. Et étant donné les idées fantastiques qu'il nourrissait au sujet de sa femme, sans doute à la suite d'une épreuve hypnotique très violente, je jugeai qu'il avait raison. Je décidai de le loger chez moi, même si cela me valait des difficultés avec Aznath. Plus tard, je l'aiderai à obtenir le divorce, car, à n'en pas douter, ce mariage, en raison de certains facteurs mentaux, équivalait pour lui à un véritable suicide. Quand nous nous retrouvâmes en rase campagne, Edward cessa de parler, et je le laissai somnoler sur son siège à côté de moi. Au crépuscule, pendant que nous traversions Portland, mon ami recommença à débiter, au sujet d'Aznath, des propos démentiels qui prouvaient l'influence néfaste qu'elle exerçait sur son système nerveux. « Ce n'était pas la première fois, murmurait-il, qu'il se trouvait dans cette situation. Elle s'emparait de lui, et un jour, il le savait, elle ne le lâcherait plus.
Même à l'heure actuelle, si elle le lâchait, c'était parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle empruntait le corps de son mari pour aller dans des lieux où l'on célébrait des rites innommables, laissant Edward dans son corps à elle, enfermé dans la maison. Mais parfois, elle était contrainte de lâcher prise, et alors, il se retrouvait dans son corps à lui, en quelque endroit horrible. Tantôt, elle s'emparait de lui à nouveau, tantôt, elle n'y parvenait pas. À plusieurs reprises, il lui avait fallu parcourir de formidables distances pour regagner Arkham. Dans ces cas-là, il louait un chauffeur pour conduire la voiture quand il l'avait retrouvée. Le pire, c'est qu'elle lui empruntait son corps pendant des périodes de plus en plus longues. Elle voulait être un homme. Voilà pourquoi elle s'emparait de lui. Elle avait deviné qu'il possédait à la fois un cerveau puissant et une volonté faible. Un de ces jours, elle l'éliminerait complètement et disparaîtrait en emportant son corps. Elle disparaîtrait pour devenir un grand magicien comme son père. Et elle le laisserait dans cette enveloppe féminine qui n'était même pas entièrement humaine. Oui, il savait maintenant qu'il y avait un horrible pacte entre les gens d'Innsmouth et les créatures venues de la mer. Ephraim Waite avait connu le secret. En vieillissant, il avait fait une chose hideuse pour rester vivant. Il désirait vivre éternellement. Asenath réussirait. Elle avait déjà fait une tentative couronnée de succès. J'examinais Edward pendant qu'il parlait et je constatais en lui un changement que j'avais déjà noté la veille. Il paraissait en bien meilleure forme physique. Son corps avait perdu son ancienne mollesse, comme s'il se fût donné beaucoup d'exercice, mais pour l'instant, son état mental était déplorable, car il ne cessait de tenir des propos extravagants au sujet de sa femme, du vieil Ephraim et de révélations futures. Dan, ne te rappelles-tu pas ses yeux farouches et sa barbe en broussaille qui n'a jamais blanchi? Un jour, il m'a regardé d'un air menaçant et jamais je ne l'ai oublié. Aujourd'hui, elle me regarde de cette façon-là et je sais pourquoi. Il a trouvé la formule dans le Necronomicon. Je n'ose pas encore te dire la page, mais quand je te l'aurai indiqué, tu comprendras. Il a l'intention de ne jamais mourir en passant perpétuellement d'un corps à un autre. La flamme de la vie, elle peut continuer à brûler quelque temps après la mort du corps. Je vais te donner quelques indications et peut-être devineras-tu. Écoute-moi, Dan. Sais-tu pourquoi ma femme se donne tant de mal pour écrire en penchant ses lettres à gauche? As-tu jamais vu un manuscrit du vieil Ephraim? Sais-tu pourquoi j'ai frissonné en voyant des notes rapides prises par Asenath? Asenath, est-ce qu'une telle personne existe? Pourquoi a-t-on pensé qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Ephraim? Pourquoi les Gilman racontent-ils qu'il a crié comme un enfant terrifié lorsqu'il est devenu fou et qu'Asenath l'a enfermé dans la mansarde capitonnée où l'autre avait été enfermé? Était-ce bien l'âme d'Ephraim qui fut ainsi emprisonnée? Pourquoi avait-il cherché pendant des mois un être à l'intelligence vive, mais à la volonté faible? Pourquoi était-il furieux d'avoir une fille et non pas un fils? Dis-moi, Daniel, quel échange diabolique s'est-il accompli dans la maison d'Innsmouth, où ce monstre tenait à sa merci cette enfant confiante et douce? Ne l'a-t-il pas rendu permanent, comme elle compte arriver à le faire en ce qui me concerne? Dis-moi pourquoi la prétendue Asenath écrit différemment quand elle ne sera pas observée, si bien qu'on ne peut distinguer son écriture de celle... À ce moment, la voix d'Edward, qui avait monté jusqu'à un ton suraigu, se tut soudain, comme si un déclic venait de jouer. Je songeais à d'autres circonstances où, pendant ses visites chez moi, ses confidences étaient brusquement interrompues. Mais, en l'occurrence, il s'agissait d'un phénomène différent et beaucoup plus horrible. Le visage d'Edward fut convulsé jusqu'à devenir méconnaissable, tandis que tout le corps frissonnait comme si tous les muscles, les os, les organes et les nerfs se réajustaient pour former une autre personnalité. Sans savoir exactement pourquoi, je fus en proie à un tel sentiment de malaise et de répulsion que mes mains faillir lâcher le volant. Mon compagnon, au lieu d'être un ami de toujours, me semblait un intrus monstrueux venu d'une autre sphère.
Ma défaillance ne dura qu'un instant, mais presque aussitôt, Edward s'empara du volant et m'obligea à changer de place avec lui. La nuit était tombée et nous avions laissé les lumières de Portland loin derrière nous, de sorte que je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage. Néanmoins, d'après l'éclat extraordinaire de ses yeux, je compris qu'il devait se trouver dans cet état d'énergie bizarre que tant de gens avaient remarqué. Il me semblait incroyable qu'Edward Derby, si indolent de nature et qui n'avait jamais appris à conduire, pût prendre l'initiative de s'emparer du volant de mon automobile et de la conserver. Lorsque nous traversâmes Bedford, je vis à la lueur des réverbères sa bouche aux lèvres serrées et ses yeux flamboyants. Les gens avaient raison. Quand il était dans cette humeur, il ressemblait terriblement à sa femme et au vieil Ephraim. Il y avait là quelque chose de vraiment surnaturel qui me paraissait encore plus sinistre en raison des propos extravagants tenus par mon compagnon quelque temps plus tôt. Il garda le silence jusqu'à ce que nous arrivions à une étendue de route sombre. Quand il parla, je ne reconnus presque pas sa voix. Elle était plus grave, plus ferme, plus dure. Son accent et son intonation me parurent totalement changés, tout en éveillant dans ma mémoire un souvenir imprécis. Son timbre même semblait empreint d'une ironie méchante. Je m'émerveillais du sang-froid manifesté par mon compagnon si peu de temps après ce discours, plein de crainte, marmonné à voix basse. J'espère que tu me pardonneras ma crise de nerfs, Daniel. Tu sais que je ne possède pas toujours un très bon équilibre. Naturellement, je te suis très reconnaissant de me ramener chez moi. Je te prie également d'oublier toutes les folies que j'ai pu te débiter au sujet de ma femme. Voilà le résultat d'un travail excessif. Ma philosophie est pleine de concepts bizarres et une intelligence surmenée invente toutes sortes d'applications concrètes, imaginaires. À partir de demain, je vais prendre un sérieux repos. Tu ne me verras sans doute pas pendant quelque temps, mais Aznav n'y sera pour rien. Le voyage dont je reviens peut paraître bizarre, mais en réalité, il s'agit d'une chose très simple. Dans les forêts du Nord se trouvent plusieurs monuments indiens qui ont une grande importance en matière de folklore. Les recherches ont été pénibles et j'ai dû perdre la tête. Il faudra que j'envoie quelqu'un chercher l'automobile dès mon retour. Un mois de détente me remettra sur pied. Je ne me rappelle pas quelle part je pris à la conversation, car l'étrangeté déconcertante de mon compagnon m'occupait tout entier. À chaque instant, mon horreur ne cessait de croître, si bien que, à la fin, j'éprouvais le désir frénétique d'arriver au terme du voyage. Edward ne m'offrit pas de me rendre le volant, et je fus tout heureux d'atteindre très vite Portsmouth et Newburyport, au croisement où la grande route s'enfonce à l'intérieur des terres pour éviter Innsmouth. Je craignis que mon chauffeur n'empruntât la route du littoral qui traverse ce port maudit. Néanmoins, il n'en fit rien, et nous arrivâmes à Arkham avant minuit. Les lumières étaient encore allumées dans la vieille maison Crowning Shield. Edward descendit de la voiture et me remercia de nouveau en quelques phrases. Je regagnai mon domicile, en éprouvant une étrange impression de soulagement. Au cours des 2 mois qui suivirent, les rumeurs allèrent bon train. On voyait Derby de plus en plus souvent dans son état énergique, et Aznath n'était presque jamais chez elle. Je reçus une seule visite d'Edward, qui vint dans la voiture de sa femme chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il avait l'aspect que je lui avais vu lors de notre voyage en automobile, et resta juste assez longtemps pour prononcer quelques phrases de politesse. De toute évidence, il ne voulait pas avoir d'entretien sérieux avec moi. Et je remarquai qu'il ne prit même pas la peine de sonner 5 fois. Selon sa coutume. À la mi-septembre, Derby s'absenta pour 1 semaine. À cette occasion, certains étudiants du groupe avancé parlèrent d'une rencontre avec le grand prêtre d'un culte maléfique, récemment expulsé d'Angleterre, qui avait établi son quartier général à New York. Pour ma part, je ne pouvais bannir de ma mémoire cette étrange randonnée de Shaden Cook à Arkham. La métamorphose dont j'avais été témoin m'avait profondément bouleversé et je me surprenais souvent en train d'essayer de me l'expliquer.
Les rumeurs les plus bizarres mentionnaient des crises de sanglots dans la vieille maison Crowning Shield. La voix paraissait être une voix de femme. Certains prétendaient que c'était celle d'Aznath. On l'entendait assez rarement et parfois, il semblait qu'elle fût étouffée par la force. On parla même d'ouvrir une enquête, mais il n'en fut plus question à partir du jour où Aznath montra dans la rue, bavarda gaiement avec plusieurs personnes de sa connaissance, s'excusa de son absence récente et fit deux ou trois allusions à une crise de nerfs d'une invitée de Boston. Néanmoins, personne ne vit jamais cet invité. Et quelqu'un compliqua les choses en murmurant que, à deux reprises, c'était une voix d'homme qui avait sangloté. Un soir de la mi-octobre, j'entendis les cinq coups de sonnette familiers à la porte d'entrée. J'allais ouvrir moi-même, trouver Edouard en haut du perron, et vis au premier coup d'œil qu'il possédait à nouveau son ancienne personnalité. Son visage exprimait un étrange mélange de crainte et de triomphe. Il regarda furtivement par-dessus son épaule, tandis que je refermais la porte derrière lui. Après m'avoir suivi dans mon bureau d'un pas hésitant, il me demanda un peu de whisky pour se calmer les nerfs. Je m'abstins de le questionner, mais il ne tarda pas à parler d'une voix étranglée. Aznath est parti, Dan. Nous avons eu une longue conversation hier au soir en l'absence des domestiques, et je lui ai fait promettre de cesser de me prendre pour victime. Naturellement, je disposais de certaines défenses occultes dont je ne t'avais jamais parlé. Elle a été obligée de céder, mais elle s'est mise dans une furieuse colère. Elle a fait ses mal aussitôt et s'en est allée prendre le train pour Boston, d'où elle se rendra à New York. Je suppose que les gens vont bavarder, mais je n'y peux rien. Si jamais on t'en parle, tu diras qu'elle est partie pour un long voyage d'études. J'espère qu'elle acceptera de divorcer, mais de toute façon, elle a juré de me laisser en paix. C'était horrible, Dan. Elle me volait mon corps, faisait de moi un prisonnier. Je feignais de me soumettre, mais je dressais furtivement mes projets, car elle ne peut pas lire toutes mes pensées. Elle décelait simplement en moi une humeur rebelle. Elle me croyait impuissant. Jamais je n'aurais cru pouvoir triompher d'elle, mais j'ai utilisé avec succès une formule magique. Il regarda par-dessus son épaule et se versa un autre verre de whisky. Ce matin, j'ai congédié ces maudits domestiques quand ils se sont présentés. Ils ont mal pris la chose et ont posé des questions, mais ils sont partis. Ce sont des gens d'Innsmouth. Ils étaient ligués avec elle contre moi. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Ils ont ri d'une façon très déplaisante en s'en allant. Je suppose que tu me crois fou, Dan. Mais l'histoire d'Arkham devrait te suggérer des choses qui corroborent ce que j'ai dit et ce que je vais te dire. En outre, tu as assisté à l'une des métamorphoses dans ta voiture, en revenant du Maine, quand je t'ai eu raconté tant de choses au sujet d'Aznath. À un moment donné, elle m'a chassé de mon corps, juste au moment où j'essayais de t'expliquer, au comble de l'excitation, ce qu'est cet affreux démon. Elle s'est emparée de moi, et immédiatement, je me suis retrouvé à la maison, dans la bibliothèque où ces maudits domestiques me tenaient enfermé dans le corps de cette diablesse, qui n'est même pas un être humain, car c'est avec elle que tu as achevé le voyage. Tu aurais dû sentir la différence. Je frissonnais pendant qu'il cessait de parler. Et évidemment, j'avais senti la différence. Mais pouvais-je accepter une explication aussi démentielle? Cependant, mon interlocuteur s'animait de plus en plus. Il fallait absolument que je lui échappe, Dan. Elle se serait emparée de moi pour de bon à la Toussaint. Il tient un sabbat dans les parages de Chazon Cook. Elle serait devenue moi, et je serais devenu elle pour toujours. Mon corps lui aurait appartenu définitivement. Elle aurait été un homme, selon son plus cher désir. Je suppose qu'elle se serait débarrassée de moi, que le diable l'emporte, qu'elle aurait tué son ancien corps, comme elle l'a déjà fait, comme elle ou il l'a déjà fait. Le visage d'Edouard était affreusement convulsé, et il l'approcha du mien tandis que sa voix devenait un murmure. Je te l'ai déjà donné à entendre en ta voiture. Elle n'est pas Aznath, mais bien le vieil Ephraim. Je m'en doutais déjà il y a un an et demi. Aujourd'hui, j'en suis certain. Quand elle ne se surveille pas, son écriture reproduit exactement celle des manuscrits de son père. Et parfois, elle dit des choses que seul pourrait dire un vieillard comme Ephraim. Il a changé de forme avec elle,
quand il a senti venir la mort, il n'avait pu trouver personne d'autre qui eût le cerveau suffisamment développé et une volonté très débile. Il s'est emparé de son corps exactement comme elle a failli s'emparer du mien. Après quoi, il a empoisonné l'enveloppe charnelle dans laquelle il l'avait mise. N'as-tu donc jamais vu l'âme du vieil Ephraim dans les yeux flamboyants de cette diablesse, et aussi dans les miens, quand elle s'empare de mon corps ? Edward, tout haletant, s'arrêta pour reprendre haleine. Je gardais le silence. De toute évidence, mon ami était bon à enfermer, mais ce ne serait pas moi qui l'enverrais à l'asile. Peut-être parviendrait-il à guérir avec le temps, maintenant qu'il était débarrassé d'Aznaf. Quand il reprit la parole, sa voix me parut presque normale. À présent, j'ai besoin de repos, mais je t'en dirai davantage plus tard. Je te raconterai les horreurs interdites qu'elle m'a fait connaître et que des prêtres monstrueux font survivre dans des lieux écartés. Certaines personnes ont des connaissances que nul ne devrait posséder. Ils font des choses que nul ne devrait pouvoir faire. Je renonce à jamais à l'étude des sciences occultes. Si j'étais bibliothécaire de l'université, je brûlerais sans plus tarder le Necronomicon et autres ouvrages semblables. Mais elle ne peut plus rien contre moi. Il faut que je quitte sa maudite maison pour aller m'installer dans la demeure de mon père. Tu m'aideras, je le sais, si j'ai besoin d'aide. J'ai peur de ces diaboliques serviteurs, et puis je serais fort embarrassé si les gens me posaient trop de questions au sujet d'Aznaf. Vois-tu, je ne peux pas leur donner son adresse. Enfin, il existe certains groupes de chercheurs, certains cultes, qui pourraient se méprendre sur notre séparation. Quelques-uns d'entre eux ont des idées et des méthodes bien étranges. Je sais que tu ne m'abandonneras pas s'il arrive quelque chose. Edward passa la nuit chez moi. Le lendemain matin, je me parus beaucoup plus calme. Nous parlâmes de son installation prochaine dans la maison de son père et des voyages que nous ferions tous deux en compagnie de mon fils. Au cours des semaines suivantes, mon ami vint me voir fréquemment. Nous eûmes de longues conversations au cours desquelles nous évitâmes tous les sujets déplaisants ou surnaturels. Dans la ville, les commérages allaient bon train. Mais ce n'était pas la première fois que le curieux ménage de la maison Crowningshield faisait parler de lui. Pourtant, j'appris une chose qui me déplut considérablement. Un soir, à Miskatonic Club, le banquier de Derby me laissa entendre qu'Edward envoyait régulièrement des chèques à Moses et Abigail Sargent et à Eunice Babson, résidant à Innsmouth, dont ces domestiques au visage répugnant lui estorquaient de l'argent, et il ne m'en avait jamais parlé. J'attendais avec impatience l'arrivée de l'été pour pouvoir emmener Edward en Europe. Son état ne s'améliorait pas aussi vite que je l'avais espéré. Il y avait quelque chose de maladif dans ses rares accès de gaieté, tandis que ses crises de dépression et de terreur devenaient de plus en plus fréquentes. Bien que sa demeure natale fût prête à le recevoir au mois de décembre, il retardait sans cesse la date de son déménagement. On aurait dit que la maison Crowningshield le retenait prisonnier. Quand je lui fis observer qu'il semblait inventer toutes sortes de prétextes pour ne pas la quitter, il manifesta une crainte inexplicable. Le vieux maître d'hôtel de son père, qui se trouvait maintenant au service d'Edward, avec un nouveau personnel domestique, me raconta que son maître errait souvent à travers les différentes pièces de la maison et visitait plus particulièrement la cave. Vers la Noël, un soir qu'il se trouvait chez moi, Edward eut une crise terrible. Alors que je lui exposais mes projets de voyage pour l'été, il poussa un cri perçant et se leva d'un bond de son fauteuil, tandis que son visage exprimait une épouvante cosmique. « Mon cerveau, mon cerveau, oh mon Dieu, Dan, elle me tire vers elle. Depuis l'au-delà, elle frappe, elle griffe, cette diablesse, oui, à l'instant même. Ephraim, Kamang, Kamang, la fosse au Sogot, Ia, Subnegrat, le bouc aux mille chevaux,
la flamme au-delà du corps, au-delà de la vie, dans la terre. Oh, mon Dieu! Je le fis rasseoir sur son fauteuil et lui donnai à boire un peu de vin. Il ne résista pas, car son agitation frénétique avait brusquement fait place à une morne apathie. Bientôt, je vis bouger ses lèvres, et comprenant qu'il essayait de me parler, je me penchai vers lui pour saisir ses paroles. Il essaie de nouveau. J'aurais dû m'en douter. Rien ne peut arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Elle ne cesse de venir à moi, surtout la nuit. Je ne peux pas quitter la maison, c'est horrible. Oh mon Dieu, Dan, si tu savais combien c'est horrible. Quand il eut enfin sombré dans le sommeil, je l'installai commodément avec des oreillers et une couverture. Je n'appelais pas un médecin qui n'aurait pas manqué de le déclarer fou. Il s'éveilla vers minuit et je le fis coucher dans un lit au premier étage. Le lendemain matin, il avait disparu. Son maître d'hôtel, auquel je téléphonai immédiatement, me dit qu'il était de retour à son domicile et qu'il arpentait fébrilement la bibliothèque. À partir de ce jour, l'état d'Edward ne cessa d'empirer. Lors de mes visites quotidiennes, je le trouvais toujours assis dans sa bibliothèque, fixant le vide et semblant écouter avec attention. Parfois, il parlait raisonnablement s'il s'agissait de sujets banals. Toute allusion à sa santé, à des projets d'avenir ou à Asnath déclenchait un accès d'agitation intense. Son maître d'hôtel disait qu'il avait de terribles crises la nuit, au cours desquelles il pourrait bien se blesser grièvement. Je m'entretins longuement avec son médecin, son banquier, son avoué, et finalement je le fis examiner par deux spécialistes. Les premières questions suscitèrent des spasmes épouvantables. Le soir même, une voiture fermée emportait mon malheureux ami à l'asile d'aliénés, Darkham. J'allais lui rendre visite deux fois par semaine, et j'avais du mal à retenir mes larmes en entendant ses cris, ses murmures terrifiés et les phrases qu'il répétait sans cesse. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Elle s'emparera de moi. Elle s'emparera de moi, là, en bas, dans les ténèbres. Mère, mère, Dan, sauvez-moi, sauvez-moi. Nul ne pouvait dire s'il avait une chance de retrouver la raison, mais je fis de mon mieux pour être optimiste. En ma qualité de tuteur d'Edward, j'ai installé les domestiques dans sa demeure natale, où il choisirait sûrement d'aller vivre s'il redevenait sain d'esprit. Je leur recommandai pourtant d'aller faire le ménage deux fois par semaine dans la vieille maison Crown and Shield, au sujet de laquelle je n'avais pris aucune décision. Le cauchemar final eut lieu un peu avant la chandeleur, précédé, cruelle ironie, par un faux rayon d'espoir. Un matin de la fin janvier, on me téléphona de l'asile qu'Edward avait brusquement retrouvé la raison. Sa mémoire était gravement altérée, mais il ne restait plus trace de folie. Il pourrait certainement regagner son domicile au bout d'une semaine. Au comble de la joie, je me hâtai d'aller rendre visite à mon ami, mais je restais paralysé de stupeur dès mon entrée dans la chambre. En effet, le malade se leva, me tendit la main en souriant, et je m'aperçus aussitôt que j'avais devant moi cette personnalité pleine d'énergie et de compétence qui, selon Edward lui-même, était celle de sa femme. Je reconnus les yeux flamboyants, la bouche ferme, le ton de voix ironique et méchant qui m'avait inspiré une telle horreur au cours de ce voyage nocturne dans ma voiture, 5 mois auparavant. Il me parla avec une grande affabilité des dispositions à prendre pour sa sortie prochaine, et je ne pus que donner mon assentiment. Pourtant, je sentais qu'il y avait là quelque chose d'anormal. Mon interlocuteur jouissait de toute sa raison, certainement, mais était-ce bien le même Edward Derby que j'avais connu? Dans le cas contraire, qui était-il et où se trouvait mon ami? L'homme debout devant moi devait-il être remis en liberté ou soumis
à une stricte surveillance. Ou encore fallait-il le faire disparaître de la surface de la Terre. J'ai dû avoir une attitude extrêmement gauche et je fus très heureux de me retirer. Pendant toute cette journée et tout le lendemain, je ne cessais d'agiter ce problème dans mon esprit. Que s'était-il passé? Quelle personnalité étrangère s'embusquait dans l'enveloppe charnelle d'Edward Abbey? Le matin du second jour, on me téléphona de l'asile que le patient était toujours dans le même état. Le soir même, je faillis avoir une crise de nerfs, mais cela ne suffit pas à expliquer ce qui arriva par la suite. Ce fut dans la nuit de ce second jour que je me trouvai plongé dans un maelstrom d'horreur et d'épouvante dont je ne pourrai jamais plus me libérer. Cela commença par un appel téléphonique un peu avant minuit. Comme je n'étais pas encore couché, je décrochai l'écouteur dans la bibliothèque. N'entendant aucune voix au bout du fil, je m'apprêtais à raccrocher lorsqu'il me semble apercevoir un son vague, semi-liquide, comme si quelqu'un s'efforçait de parler avec la plus grande difficulté. Je demandai « Qui est à l'appareil ?» Mais je n'obtins pour réponse que le même son inintelligible. Pensant qu'il s'agissait d'un appareil en dérangement, j'ajoutai aussitôt « Je ne vous entends pas, vous feriez mieux d'appeler les réclamations. » Mon interlocuteur raccrocha immédiatement. J'ai dit que cet incident eut lieu vers minuit. Par la suite, on découvrit que l'appel provenait de la maison Crown Shield, où il n'y avait aucun domestique. Je me contenterai de mentionner brièvement ce qu'on trouva en visitant la maison. Une des réserves de la cave bouleversée de fond en comble, des traces de pas dans la poussière, une armoire hâtivement pillée, des empreintes déconcertantes sur l'appareil téléphonique, la détestable puanteur qui régnait partout. Les imbéciles de la police continuent à chercher les domestiques congédiés qui, prétendent-ils, ont voulu se venger de moi en tant que meilleur ami et conseiller d'Edouard. Quels hommes battus! S'imaginent-ils donc que des rustres pareils auraient pu contrefaire cette écriture et m'apporter cette lettre? Personnellement, je crois désormais tout ce que m'a raconté Edward Derby. Il existe, à la lisière de la vie, des horreurs que nous ne soupçonnons pas. De temps à autre, un homme à la curiosité funeste les amène à notre portée. C'est ce qu'a fait le démon Ephraim Asnath. Et après avoir englouti Edward, elle menace de m'engloutir moi-même. Car je ne suis pas certain d'être en sécurité. Ces puissances survivent à la forme physique. Le lendemain de cette nuit fatale, après avoir retrouvé l'usage de la parole et de mes mouvements, je suis allé à l'asile et je l'ai tué à coups de revolver. Mais je ne puis être sûr de rien tant que le cadavre n'aura pas été incinéré. On le garde pour permettre à plusieurs médecins de pratiquer de stupides autopsies, mais moi, j'insiste sur le fait qu'il doit être incinéré. Il faut incinérer celui qui n'était pas Edward Derby quand je l'ai tué. Il le faut. Ou sans cela, je deviendrai fou. Car je serai peut-être la prochaine victime. Mais j'ai une volonté forte. Je ne laisserai pas miner par les terreurs qui bouillonnent autour d'elle. Une seule vie, Ephraim, Asnath, Edward. Qui d'autre à présent? Je ne veux pas être chassé de mon corps. Je ne veux pas changer d'âme avec ce cadavre troué de balles. Mais je vais essayer de raconter d'une façon cohérente cette horreur suprême. Je n'insisterai pas sur ce que la police persiste à ignorer. Le récit de trois passants qui virent dans High Street, un peu avant 2 heures du matin, une espèce de nain grotesque et malodorant. Je me contenterai de dire que, à 2 heures juste, je fus éveillé par le marteau et la sonnette actionnés l'un après l'autre par une main maladroite qui essayait de former le signal familier des 5 coups. Edward Derby se trouvait donc à ma porte et il se rappelait notre code. Avait-il retrouvé sa personnalité normale? Mais alors pourquoi était-il là, à une heure pareille?
L'avait-on relâché avant la date prévue, ou bien s'était-il évadé? Quoi qu'il en fût, me dis-je en enfilant précipitamment mon robe de chambre, j'avais enfin retrouvé mon ami, et j'allais lui apporter toute l'aide dont il pourrait avoir besoin. Lorsque j'ouvris la porte, une rafale de vent fétide m'assaillit. Pris d'une violente nausée, j'eus du mal à distinguer en haut du perron la silhouette d'un nain bossu. Où donc avait disparu Edouard? Quel était cet étrange et grotesque visiteur? Il portait un des manteaux de mon ami, mais le bas touchait presque le sol et les manches, pourtant retroussées, couvraient complètement les mains. Il était coiffé d'un chapeau de feutre au bord rabattu. Une écharpe de soie noire dissimulait son visage. Tandis que j'avançais vers lui d'un pas mal assuré, il fit entendre un son semi-liquide. En me tendant une grande feuille de papier piquée au bout d'un long crayon, je m'en saisis et tentai de lire cette lettre à la clarté de la lampe du vestibule. À n'en pas douter, c'était bien l'écriture d'Edouard. Mais pourquoi m'avait-il écrit alors qu'il s'était trouvé assez près de la maison pour sonner et frapper à la porte? Ne pouvant rien déchiffrer dans la demi-obscurité du perron, je pénétrai en reculant dans le vestibule, suivi par l'étrange messager qui s'arrêta à l'intérieur tout près du seuil. Il exhalait une puanteur vraiment atroce, et j'espérai du fond du cœur que ma femme ne s'éveillerait pas. Puis, tandis que je lisais la lettre, mes genoux se dérobèrent sous moi, et je m'évanouis. Quand je repris mes sens, j'étais étendu sur le plancher, serrant encore la feuille de papier dans ma main crispée. Voici la teneur de ce message. Dan, va à l'asile et tue la créature qui se trouve dans ma chambre. Tue-la. Ce n'est plus Edward Derby. Elle s'est emparée de moi. C'est Asnath. Et voilà 3 mois et demi qu'elle est morte. Je t'ai menti quand je t'ai dit qu'elle était partie. Je l'ai tuée. Je ne pouvais pas faire autrement. Nous étions tous les deux seuls et je me trouvais dans mon corps à moi. Je lui ai broyé le crâne à coups de chandelier. Elle se serait emparée de moi, pour de bon, à la Toussaint. Je l'ai ensevelie dans une des réserves de la cave, sous un tas de vieilles caisses. Les domestiques se sont doutés de quelque chose le lendemain matin. Néanmoins, ils possèdent de tels secrets qu'ils n'ont rien osé dire à la police. Je les ai congédiés, mais Dieu sait ce qu'ils feront avec l'aide des autres membres du culte. Pendant quelque temps, j'ai cru que tout irait bien. Et puis j'ai senti ce tiraillement au cerveau, et j'ai compris. J'aurais dû me rappeler qu'une âme comme la sienne, ou celle d'Ephraïm, n'est jamais qu'à moitié détachée et continue à vivre après la mort tant que le corps subsiste. Elle s'emparait de moi, elle se saisissait de mon corps et me mettait, moi, dans son cadavre à elle, enseveli dans la cave. Sachant cela, je suis devenu fou, et tu as dû me faire interner. Puis, le moment est venu. Je me suis trouvé en train d'étouffer dans le noir, dans la carcasse pourrissante d'Asnath, au fond de la cave. Et je savais qu'elle devait être dans mon corps à moi, à l'asile, d'une façon permanente, car nous étions après la Toussaint, et le sacrifice serait efficace même en son absence. Poussé par la force du désespoir, j'ai réussi à sortir de ma tombe. Je suis trop près de la fin pour pouvoir parler. J'ai été incapable de te téléphoner. Mais je peux encore écrire. Je m'arrangerai pour t'apporter ce message. Tue ce démon, si tu attaches le moindre prix à la paix du monde. Veille à ce qu'il soit incinéré. Sans cela, il continuera à vivre éternellement en passant d'un corps dans un autre. Et je ne puis te dire ce qu'il fera. Adieu, Dan. Tu as été pour moi un ami véritable. Je regrette de t'imposer cette pénible tâche. Moi, je ne tarderai pas à connaître la paix. Car mon enveloppe de chair ne va pas subsister longtemps. Et tue cette créature. Tue-la. Ton ami fidèle. Ed. Ce ne fut que plus tard que je lus la fin de cette lettre, car je m'étais évanoui en arrivant à la fin du 3e paragraphe. Je m'évanouis une deuxième fois quand je vis et sentit la masse informe
étalé sur le seuil. Le maître d'hôtel, lui, ne s'évanouit pas en voyant ce qui se trouvait dans le vestibule. Se contenta de téléphoner à la police. Quand les détectives arrivèrent, on m'avait porté dans mon lit, mais le reste gisait toujours non loin du seuil. Les hommes se bouchèrent le nez avec leurs mouchoirs. Dans les vêtements d'Edouard, ils trouvèrent un horrible magma quasi liquide. Il y avait aussi des ossements et un crâne fracassé qu'on identifia comme celui d'Aznaf grâce à des travaux de prothèses dentaires.